Bonjour, je m'appelle Anthony Lavigne, j'ai 17 ans. Je viens de Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var, tout près de la Ciotat. C'est un ancien club à moi, comme Sanary également. Je suis milieu de terrain, j'entame ma troisième année à l'OGC Nice. J'ai joué en CFA2 quelques matchs les derniers temps, sinon je joue en 19 ans nationaux. C'est vrai que le monde pro, c'est un aboutissement de toute une formation. Ça fait rêver, on travaille tous les jours pour y arriver, donc on va tout faire pour que le rêve se réalise. Cette année, ils viennent plus souvent que les autres années. C'est vrai qu'il y a une connexion entre les jeunes et les professionnels. Ils essayent de bien nous intégrer par rapport à des jeunes qu'on voit de plus en plus chez les pros, comme Neil Maupé. Moïse Hassen aussi, qui vient souvent nous voir. Et les pros, sinon, ouais, c'est vrai qu'ils essayent de nous conseiller et ils sont près de nous, quoi. Par rapport à mon poste qui est milieu terrain, c'est vrai qu'il y a Abriel qui est un exemple à prendre. Il a de grosses qualités techniques. Après, au niveau physique, bah, il comble par son envie, je pense. Par rapport à dans les duels, il est pas impressionnant comme peut être Jigar ou Anem, mais il comble par sa technique et par son envie. Sinon, après, au niveau de la mentalité, c'est vrai que DJ Degar, c'est un bon exemple pour le club. Il représente bien l'emblème de Nice, quoi. Bonjour, ça va ? En forme ? Nickel. Tu m'emmènes où ? Je te propose de visiter un peu le centre. Allez. Allez, c'est parti. Ça va ? Merci. Là, il y a la musculation. Et là, il y a la salle kiné. La salle de kiné ? Ouais, allez. C'est ça. Elle est bien, la salle de kiné ? Elle est grande. Tout le temps, tous les jours, je vais ici. C'est mon endroit préféré. Mon petit terrain, là, voilà, abri du vent. Terrain, voilà, abri du vent. On s'entraîne que le mardi, là. Sinon, on s'entraîne au France-Archer. C'est donc, synthétique, ça. Synthétique, donc voilà. Donc là, on s'entraîne pas souvent. Il est un peu fracas, le terrain. Il y a combien d'équipes qui s'entraînent là-dessus ? CFA 19. Le groupe, il est mélangé, donc ça fait beaucoup de joueurs. Donc voilà. Matin et après-midi ? Mardi, après-midi, sinon tous les autres séances, c'est là-bas, c'est au France Archer. Donc mardi, après-midi, c'est technique, donc on s'entraîne là, je réduis tout ça. Et l'après-midi, c'est l'école ? Après-midi et le matin. 8h, 10h, et l'après-midi, c'est 1h, 3h. Pas tous les jours. Et quand vous finissez à 10h, vous allez à l'entraînement après ? Directement, 10h30, ça commence la séance. D'accord. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas loin des pros aussi. Ouais, aussi, c'est vrai. Alors que nous, pour aller voir les pros, c'était... Il y avait une bonne barrière quand même. Mon premier entraînement avec les pros, c'était à 16 ans et demi. C'était Le Gouen, il y avait encore Jérôme Leroy, il y avait Roche, tu vois, c'était cette époque-là. Là, ce qui est bien, c'est que tu peux, dès que tu as un joueur, il manque un joueur, tu peux appeler tout de suite un joueur du centre et il est prêt, quoi, tu vois. Ça, c'est bien. Sinon, nous, il fallait prévoir... la veille, ou attendre un coup de téléphone, ou ils appelaient l'entraîneur, enfin, ils se redéplaçaient, tu perdais un peu de temps. Alors que là, c'est direct. Des fois, tu vois, ils ont manqué 2-3 joueurs. Un matin, comme ça, un peu malade. Et on a pu tout de suite faire une bonne séance, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient prêts. On sent qu'il y a beaucoup de respect. Et bon, après, c'est quand même assez simple ici, tu vois. Il n'y a pas de barrière, on est tout à proximité, tu peux toucher les uns les autres, tu vois. Voilà. Surtout, voilà, tu vois, ils ont le même âge et il est avec nous, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'a même pas fini de grandir. C'est un bébé, lui, encore. Tu vois, donc, quand tu as des jeunes comme ça qui sont avec nous, ça veut dire que tout est possible. Tu peux aller vite aussi pour eux, donc, tu vois. Ça motive. C'est bien, c'est ouvert. Dès que je suis arrivé la première année, on a de suite remarqué ça. Et c'est vrai que d'année en année, c'est de mieux en mieux. Ils viennent plus souvent, ils mangent avec nous, ils nous disent bonjour de suite. Et c'est vrai qu'il y a des pros, des jeunes semi-pros qui vont déjà s'entraîner avec eux et nous disent que du bien d'eux, donc c'est bon. Comment j'aurais kiffé, moi, à son âge ? Hein ? Comment j'aurais kiffé ? Et ça tourne ! Bien ta chambre. Elle est bien ma chambre. Non, c'est à peu près le même concept. Où on essaie de centraliser un peu tout le football, l'école et puis dormir, le repos. Donc pour un centre de formation, voilà, c'est bien d'avoir tout à proximité. Il y a la salle de muscu, il y a les vestiaires, il y a tout. Donc on va dire que d'un point de vue fonctionnel, c'est le top. Ils sont pas très loin des pros. Donc dès qu'on a besoin de faire appel à eux, en 10 minutes, c'est pratiquement réglé.
Voilà, je pense que ne pas éparpiller les différents aspects et tout centraliser, déjà, ça fait gagner du temps et tu gagnes en qualité aussi. Parce que je me rappelle que nous, les cours, on allait dans la ville. Donc c'est comme si que là, on était ici et qu'on devait partir dans Nice. Donc il y avait une navette. Après, on revenait, on s'entraînait. Les pros, c'était encore ailleurs. Voilà, donc ça mettait toujours une heure et demie quoi, à régler les différents problèmes. Et là, aujourd'hui, dès que tu as fini tes cours, si tu as une heure pour faire une petite sieste, tu peux monter, redescendre, tu peux manger, tu vois tout le monde. Je veux dire, voilà, tout est là. Et puis, ce qui est bien, c'est que bon, la ville est un peu plus loin, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment la tentation d'y aller. Et quand tu y vas pour de bon, quoi. Tu sais que tu dois y aller, si tu dois faire les courses, tu fais tout en même temps. Tu prends une demi-journée, tu fais tout en même temps, je pense que c'est ça. J'aime que le mercredi après-midi, on profite bien. Et voilà, je trouve que c'est bien. C'est bien d'avoir, d'avoir un ancien qui vient, qui dirige un peu. Et nous aussi, par rapport, on apprend aussi par rapport aux jeunes, le nouveau regard qu'ils ont par rapport au football, par rapport à ce qu'ils apprennent aussi, parce qu'il y a différentes formations, on demande des choses différentes. Là, il y a beaucoup plus de médias. Donc il faut avoir faut bien parler, il faut aller loin à l'école, il faut être assez malin, assez rusé, tu vois. Donc il y a beaucoup plus de prise de parole et ça fait partie des nouveaux aspects de leur métier. Moi je suis arrivé à 14 ans ici, c'était pas facile, j'ai mis du temps à m'adapter. Ça m'a pris à peu près 6 mois, voilà, les 6 premiers mois ça a été difficile. Moi j'ai la chance quand même d'habiter à 2 heures de route, mes parents viennent souvent au match. Donc ça va encore. Mais c'est vrai que les 6 premiers mois c'est pas évident. On est loin de sa famille, le soir on est fatigué, on pense un peu à beaucoup de choses, donc voilà, c'est pas évident au début, mais bon, là c'est habitué, c'est ma troisième année. C'est vrai que ça prend beaucoup de place dans une vie, on n'est pas souvent chez nous, les devoirs, surtout là c'est ma troisième année, donc je suis en terminale, j'ai le bac, donc c'est pas facile d'allier le foot plus les études. Donc voilà, c'est un cap à passer aussi, à franchir. Après le bac, je pense qu'on est un point en moins, donc voilà, on va tout faire pour accéder à cet objectif et poursuivre cette formation. C'est difficile de comparer, tu vois, les besoins ne sont pas les mêmes, les données ne sont pas les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'informations sur le football en général. Tout à l'heure, je te parlais de l'aspect médiatique, beaucoup plus médiatisé, tu vois. Mais nous, par contre, à mon époque, on avait la sensation que le jeune qui sortait en pro, c'était un phénomène. Tu vois, c'était vraiment un joueur, un cador. Tu vois, quand je te parle de ça, c'était Luxin, je vois 17 ans, Dalmat, Anelka, Cristanval, tu vois, tout ça, c'est toute ma génération. Et ma côte, ils sont sortis à cette époque-là. Pour moi, c'était les meilleurs. Tu vois, je veux dire, c'était vraiment les meilleurs à leur poste. Et des phénomènes. Et on avait cette sensation-là. Et là, moi, plus je regarde le football, je me dis... Quelque part, le jeune, il arrive quand même un peu plus facilement à accéder, tu vois, au groupe pro, au terrain, à la Ligue 1, tu vois. Et pas forcément protégé parce que, bon, le média tout de suite s'y intéresse et tout ça. Donc, j'ai l'impression que, voilà, il faut qu'ils aient une maturité encore, voilà, beaucoup plus élevée que nous, on avait avant, quoi. Vous déjeunez, vous mangez, voilà. Le soir, midi. Soir, midi, matin, et à satellite à côté. J'aime bien ce match-là. Hein. Voilà, donc là on mange. Et voilà, et là c'est le télé avec les gros matchs. Vous regardez le match, c'est ça? Voilà. C'est bien avec le match. C'est bien le match. Hein. Je dis, on regarde tous les matchs ici, ça. Ce soir. Ouais. Donc ça, c'est les maillots qui ont marqué l'OGC Nice, on va dire. La Côte Joria là-bas. Ça sent fort, hein. Ça va ou quoi? Il y a un mort ici. Mais t'es du Axe de Ménène. Ah, vous avez des numéros et tout en plus. C'est moi, j'ai écouté tout le monde. Hein. Non, mais là où je commençais à jouer vraiment titulaire, c'était à Amiens. Et j'avais Denis Troche, tu vois. Et il m'a dit... Tu dois repousser tes limites. Il m'a dit, le jour où tu n'arrives plus à courir sur le terrain, je veux que tu marches. Si tu n'arrives plus à marcher, je veux que tu rampes. Mais tu dois toujours continuer, tu vois. Il m'a dit, il faut que tu fasses des... Je veux que... Il m'avait pris une feuille.
Et je jouais sur le côté droit, tu vois. Il m'a dit, tu vois cette feuille, je veux que tu fasses comme ça. Et pendant 5 minutes, il a pris son stabilo et il a fait comme ça, il a fait comme ça. Je veux que le terrain ait des marques sur le terrain. Tu vois, je veux qu'il y ait un tracé. Et que tu fasses que des allers-retours. Et que même si tu es fatigué, tu ne le montres pas. Ton adversaire, on appelle ça la lutte d'influence. Il me dit, je veux que ton adversaire, il ne voit pas que tu sois fatigué. Parce qu'il faut que tu dises dans ta tête que lui-même, il est fatigué. Tu vois. Donc quelque part, il fallait que tu renvoies encore. Et justement, le jour où tu es fatigué, tu es comme ça, à un moment donné, l'action, tu remets une accélération. Tu vois. Et des fois, quand tu te sens bien, bah, tu fais comme si tu étais un peu fatigué. Que tu étais là, tu étais un peu... Tu vois, il jouait un peu sur l'aspect mental. C'est un des premiers entraîneurs qui m'a conseillé, enfin, qui conseillait de jouer un peu sur l'aspect psychologique dans le match. Tu vois, la lutte entre deux adversaires. Le conseiller, c'est de toujours s'améliorer. Il a un poste super important. Et il faut que tu récupères plus de ballons que tout le monde et que tu en perdes le moins possible que tout le monde. Et que voilà, que tu accélères le jeu, que tu voilà, as un peu un rôle de métronome, quelque part. Tu n'as pas toutes les responsabilités, mais voilà, faire jouer son équipe, être à la disposition, faire jouer son équipe, et faire l'équilibre dans l'équipe, défensivement, offensivement. Voilà, je pense que après, c'est ses qualités qui vont parler, hein, mais... C'est un poste difficile, mais très agréable quand il marche bien. Anthony ? Non, c'est pas timide. Non, il observe, il regarde. Il est très bien élevé. Il cache bien son jeu, en fait. Il apprend à son rythme, mais il apprend bien. Et puis, il apprend des choses au contact des pros. Hein. Comme ses aînés au sein du club, des milieux de terrain, qui est... avec une touche technique à la Brielle. Il doit prendre un peu plus peut-être de Didier, d'Igard, dans l'impact. C'est ça qui lui manque à ce petit. Je pense que c'est des garçons qui ont cette culture de jeu avec ce toucher de balle, avec cette qualité de passe, avec cette envie de poser le jeu, de le construire avec des séquences de jeu à base de jeu court notamment. Donc c'est des garçons qui ont cette touche technique qui apportent, je dirais, le danger par leur passe sur le plan offensif. Donc ce sont des joueurs à dominante plus technique. Il est facile à vivre. Il n'a pas, de problème. Je ne dirais pas qu'il est effacé, c'est un... Non, pas du tout. Mais c'est pas quelqu'un qui... Je dirais qu'il a un bon caractère. Ouais. C'est pas du tout un fouteur de merde, rien. Quoi. Enfin, pour moi, quoi. Depuis qu'il est là, j'ai jamais de problème avec lui. Quoi. Et je pense pas qu'il y ait eu quelqu'un ici au centre qui ait un problème avec lui. C'est une table difficile. Hein. Tu sautes ton adolescence, tu sautes tout. Plein de sacrifices, tu rates énormément de choses, mais quelque part, si tu réussis ce que tu as entrepris, tu seras en avance sur tout ce tournage. C'est ça la vraie récompense, c'est ça. Tu seras tranquille. Tu auras vécu des choses que certains ne pourront peut-être pas vivre. Je pense que personne ne va l'aider, tu vois. Et personne ne lui fera de cadeau. Et tout ce qu'il va aller chercher, il va aller chercher avec... c'est lui, quoi. Et après, s'il arrive à faire une carrière, et à être pro et à faire une carrière, alors là, c'est le plus beau cadeau. En vérité, c'est la plus belle récompense. Et là, je viens d'intégrer vraiment, on va dire, l'effectif de la CFA. Bon, les entraînements, on s'entraîne toujours ensemble. C'est vrai que j'ai fait quasiment tout le début de saison avec les 19 ans. Ça fait 3-4 matchs que je joue avec la CFA, quelques matchs titulaires. Et donc là, ça va être un sprint final jusqu'à la fin de saison. Pour l'instant, on est premier, mais bon, il y a Andrézieux pas loin. Donc c'est vrai que ça va être dur jusqu'à la fin et on va tout faire pour y arriver. On devait faire autre chose que ce qu'on a montré l'année d'avant. Donc elle était déjà passionnante par rapport à ça. La fin, oui, on parle par rapport au classement, par rapport aux résultats de l'équipe. C'est passionnant, oui, mais... Quelque part, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ça te donne la force de te dire que on va la donner à personne cette place. Tu vois, ça fait longtemps qu'on y est maintenant.
on va pas s'écrouler sur la fin ou la laisser à quelqu'un d'autre qui fait un parcours moins bien que le nôtre. Ou... Voilà, on va essayer de la défendre. Et ça sera pour nous logique, finalement. Le conseil que je peux te donner, c'est de privilégier le jeu avant l'enjeu, tout simplement. Bon, merci pour tout. Merci à toi, bonne continuation. Bonne fin de saison. Voilà, et j'espère que ça se passera bien. Ça va, c'est gentil. Que ça restera un moment c'est gentil. Merci. Voilà. Dans ta tête. C'est parfait. J'espère qu'il t'ira bien.